que Jésus n'a pas planté. Amen. 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 Maintenant, toi, là, qu'est-ce que tu veux faire à Jésus? Quand tu vas sortir de cette eau, je veux l'annoncer. Alléluia. À l'évangélisation. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons prier pour lui. Je vais confier ça pour le Seigneur. Ce qu'il a dit, on sait, c'est dans le sang de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour que les richesses spirituelles et physiques, matérielles qui sont dans ce domaine, que ce soit. Amen. Au nom de Seigneur, je prie.
Père Jean, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je prie maintenant que ton nom soit déborde, que ton nom soit déborde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie maintenant, Seigneur. Je demande, Seigneur Jésus, Amen.
ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Tous mes frères qui sont dans l'église catholique, oui. Où j'ai laissé passer le Père Responsable dans mon corps, où j'ai laissé, au nom de Jésus-Christ, je prends l'engagement maintenant de les récupérer. Alléluia. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Je vais le ramener à Jésus. Amen. Pour lui poser le Dieu de tête. Seigneur, te confions ton serviteur David et José. Seigneur, il a voulu que tu te surveilles et que tu le soutiens, Seigneur. Tu as ressenti soulagement. Amen. Soulagement. Amen. C'est amen. Léger. Maintenant, en tout cas, j'ai senti quelque chose. Amen. 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 Oui. Le Seigneur a déchargé ce fardeau. Amen. Oui. Amen. Le amen. Seigneur dit venez à moi, vous pouvez être fatigué. Je vous prie. Amen. 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 Oui. Amen. 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 Bon, on va voir ce qu'on a là-bas. Ah,
Amiwa Koye. Chante. Amen. 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 Je suis en train de ressentir pour la première fois. Alléluia. Amen. 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 André. André. C'est André. D'accord. Découvrir ce qui, ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Alléluia. Amen, amen. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur? Pour le Seigneur, je veux évangéliser. Amen, 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 amen. C'est la seule mission. Alléluia, oui. Amen, amen, tu es bien pour Dieu. Amen. Amen, amen. Nous allons prier, nous allons prier. C'est le Seigneur. Thank you.
Il nous fait paix. C'est la paix de Jésus. Et c'est Jésus qui accorde cette paix-là. Il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais c'est sa paix et la paix. Amen. Oui. Merci. Merci. Alors, quelle est l'impression que vous avez? Amen. Nous allons prier. Donne-lui la grâce de refléter ta gloire. Par où il passera. Seigneur Jésus, c'est toi ce que tu le fais. Fais le nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, selon tes recommandations, Amen. Amen.
Alléluia. Diable, voilà. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur accorde Rempli de ton esprit, rempli de Jésus, 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 rempli de Jésus
Seigneur, remplis-la de ta puissance. Remplis-la de ta puissance. Remplis-la. Remplis-la. Remplis-la de ta puissance. Révèle-la de ta puissance. Révèle-la de ta puissance. Révèle-la de ta puissance. Révèle-la de ta puissance. Seigneur Jésus, que ton nom soit déborde. Que ton nom soit déborde. Que ton nom soit cool maintenant. Ton nom soit cool. 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 Au nom de Jésus Christ, Seigneur Jésus, je sème, Seigneur, ta paix dans son cœur. Je sème ta paix dans son cœur. Ta paix dans son cœur. Seigneur Jésus, que la bêtise soit ôtée. Au nom de Jésus. Que soit ôté, que la bêtise dans son cœur soit ôté. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix demeure maintenant. Au nom de Jésus. Ta paix demeure maintenant. Au nom de Jésus. Ta joie, Seigneur Jésus. La joie de Jésus. La joie du Saint-Esprit. Je sois accordé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Tous les dons, Seigneur Jésus-Christ, qu'elle avait perdu, Seigneur Jésus. Que ces dons-là soient s'activent maintenant. Que les dons s'activent. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, débouche maintenant ses oreilles. Débouche ses oreilles. Elle veut t'entendre. Elle va t'entendre désormais, Seigneur Jésus. Que ses oreilles soient débouchées. Soit débouchées. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, où est sa bouche? Où est sa bouche? Où est sa bouche maintenant, Seigneur Jésus? Où est sa bouche, Seigneur Jésus? Où est ses yeux? 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie en ce moment. Seigneur, que ton onction, Seigneur, coule dans ses mains. L'onction de guérison. Onction de guérison. Coule maintenant, Seigneur. Coule maintenant dans ses mains. N'importe qui. Elle va imposer les mains. Seigneur Jésus, que la maladie soit guérie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. J'ai vu un grand feu qui s'est attouré de moi. Alléluia. Comme il y a une puissance qui a soulevé mes pieds. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Saint-Jésus qui vit à moi, à moi. Saint-Jésus qui vit à moi, que le plus moi qui vit, alléluia. Saint-Jésus qui vit à moi, à moi, alléluia. À moi, Saint-Jésus qui vit à moi, que le plus moi qui vit, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vit, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vit, alléluia. Alléluia. La joie et l'amour de Jésus dans votre vie. Amen, amen. Que cela soit ainsi. Amen. Et votre nom, c'est la sœur Esther de Jésus.
Dans les bras du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, après ce baptême, qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur? Avant d'aller au ciel. Il faut faire quelque chose. Avant d'aller au ciel. Comme encore. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alléluia. Amen. Selon moi, je veux chanter. Alléluia. Elle le fait déjà. Évangéliser. Alléluia. Oh, fais des chants, mais dans ta maison. Alléluia. Augmente ce zèle en toi. Amen. Amen. Hein? Sois fortifié. Amen. Tu dois faire beaucoup attention parce que quand l'ennemi voit ce zèle, il va chercher à t'attaquer dans tous les moyens. Mais toi, tiens ferme. Tiens ferme. Parce que si tu es connecté à Jésus, il ne pourra pas. Il va tenter, il va fuir devant. Quand tu parles, il va fuir sa main. Amen. Okay. Nous allons prier pour la sœur Esther. Nous allons demander que le Seigneur l'aide. Afin qu'elle puisse marcher d'une vie plus meilleure pour aller au ciel. Seigneur Jésus, remplis-la. Fais des Seigneur la véritable chant pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci réellement. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci réellement. Merci Jésus. Merci Papa. Merci. Tranquillise la Seigneur. Apaise la Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour ton esprit. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci Jésus. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur.
Je prie en ce moment, Seigneur, pour qu'elle porte la cuirasse de la justice. Amen. Seigneur, la ceinture de vérité. Pour aller au ciel, il faut la ceinture, cette portée, cette ceinture. Je la sais maintenant de cette ceinture de vérité, Jésus. De la chose, Seigneur, ou de la chaussure du sein de l'évangile. Pour que le Seigneur Jésus aille annoncer l'évangile aux nations, à la créature, Seigneur. Seigneur Jésus, je prie en ce moment que ton bouclier, Seigneur, descende. Le bouclier de la foi, le bouclier. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'équipe. Oui, qui t'équipe vraiment. Parce que tu as une grande mission. Isaac, Diata! Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Edimant. Oui, Prisca. Prisca. Donc, quoi, calendrier, tu es Jacques, tu es Prisca. Bon, maintenant nous allons dans le calendrier de Jésus. Priscille. En tout cas, Prisca est dans la Bible. Prisca aussi est dans la Bible. Prisca est dedans. Oui, Prisca a travaillé pour. À son temps. Ah non, donc vous conservez ça. Oui, je conserve. Non, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier maintenant. Avec ta vie, au nom de
Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, nous baptisons ta fille Prisca dans le nom de Jésus-Christ. Elle est morte avec Christ. Elle ressuscite avec Christ. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, remplis-la maintenant. Remplis-la. Remplis-la. Les mots qui sont remplis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 Seigneur Jésus, remplis-la de ton nom, remplis-la de l'onction de guérison, l'onction de joie, l'onction de paix. Seigneur, remplis-la maintenant. Seigneur, remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Jésus à l'œuvre. Merci de l'œuvre. Remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Seigneur, je prie en ce moment par la grâce, Seigneur Jésus, de pleine vie. Tout ce qui est par la grâce de pleine vie. Ça nous prend vie. Seigneur Jésus, elle est morte avec toi, elle est ressuscitée avec toi. Seigneur, tous les enfants, toutes choses ressuscitent maintenant. Toutes choses ressuscitent maintenant. Son corps ressuscite, sa joie ressuscite, son amour pour toi ressuscite. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je vais vous dire,
Je suis délivré par ta parole. Il y en a quelque chose que je veux faire pour le Seigneur. Qu'il m'accorde la grâce de développer pour la gloire de son nom les talents qu'il a déposés. Voilà, aussi aller pêcher. Voilà, annoncer. Ça, la première mission. Ça, c'est la première mission. Donner à tous les enfants de Dieu sans exception. Au nom de Seigneur Dieu Tout-Puissant, sanctifie ses lèvres, sa bouche. Au nom de Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, quand il ouvre la bouche, que ce soit pour annoncer au l'évangile, au nom de Jésus-Christ, d'autres lui, c'est des différents dons de guérison. Au nom de Seigneur, Jésus. Sois son partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, débarrasse sa vie de toute forme d'amertume, de tristesse. Au nom de Seigneur, nous sommes ta paix. Nous sommes ta paix. Au nom de Jésus. Ta joie dans son cœur. Au nom de Jésus. Ton amour dans son cœur. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, utilise-le puissamment pour ce réveil, pour ce dernier réveil. Utilise-le puissamment pour ce dernier réveil. Utilise-le puissamment, Seigneur, dans l'évangélisation. Utilise-le puissamment, Seigneur, dans l'annonce de ta parole. Seigneur, merci infiniment. Tu le fais au-delà. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as besoin au niveau de son foyer, au niveau de ses enfants. Seigneur, interdit, Seigneur, de toi à tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Hey! 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 H
jeudi, le feu du réveil est là. Les nations se préparent, que tous les uns se mobilisent, que tous les élus se rassemblent, accueillis le roi de gloire. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé jeudi. Le feu du réveil est là. Mais les hommes ne connaissent même pas leur Dieu. Vous savez, Jésus, ce qu'il a fait, il est pour nous un modèle. Tous ceux qui veulent sur Jésus doivent passer par là. La Bible dit, quand il est sorti, l'Esprit l'a conduit dans le désert. L'Esprit, tant que vous, si vous sortez des eaux, attendez-vous à aller dans le désert. Tous les hommes, ceux qui suivent Jésus, quand ils sortent de l'eau, ils doivent aller dans le désert d'abord. Pour être tentés. Je dis, c'est parce qu'on suit le pas de Jésus. Oui. Tu dois suivre à l'oeil des hommes et dedans. Et dans ce désert, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez rencontrer toutes les tentations possibles. Vous savez, Jésus a passé les 40 jours dans le jeûne, prière. Et c'est le dernier jour que le diable même a osé. Vous voyez? Je dis souvent, si le diable a osé s'approcher de son créateur, et toi? Ça ne lui dit rien. Donc il va venir. Mais le Seigneur dit, appuyez-vous sur moi, que vous aurez la victoire.
Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que ce que hier, votre mari vous disait, et que vous riez, ou bien ce que tu disais à ton mari, il riait, ou ce que tu disais à ta famille, elle riait, tu vas lui dire ça, la moindre, et puis elle va se mettre en colère. Juste, ce n'est pas elle-même, parce que tout ce que vous êtes dans une nouvelle dimension. Et dans cette dimension, le diable s'acharne à vous saquer, à vous remettre à genoux. C'est pourquoi vraiment, quand on sort de vie, les gens vont être faire pourquoi attention à sa vie. Jésus a été tenté, vous allez vous enfermer dans votre chambre. Le diable viendra, le péché viendra vous frapper. Il viendra. Donc, c'est que nous devons être en éveil pour ne pas succomber. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit ici maintenant? Éphésiens. Dans Éphésiens 4, il dit, je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça veut dire que Dieu, quand il nous a appelés, c'est pour le suivre. C'est une vocation. Amen. Il dit ceci, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. L'amour, vous savez, la Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari. Mari, aime ta femme. Et je disais, entre soumission et amour, qu'est-ce qui est plus fort? C'est l'amour. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, il dit, l'amour est patient, l'amour est doux, l'amour ne provoque pas, l'amour supporte tout. Tout ce qu'on te fait, tu supportes. Mais ce n'est pas ça, la soumission. Ce que Dieu a demandé à la femme, c'est très simple. Il dit, sois soumis. Tant que ce qu'il a dit n'a pas été, donc sois soumis. Mais toi, homme, tu dois l'aimer. Prêt à te sacrifier pour. Donc, l'amour dont on parle ici, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer ton Dieu avec force. Car nous sommes envoyés sur la terre, pour non seulement servir Dieu, mais le louer, l'adorer et défendre ses intérêts. Et la Bible dit ici que nous devons comprendre que nous devons nous supporter, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Hein? Il y a un seul. C'est-à-dire que la paix doit faire partie de notre partage. Tu dois chercher. La Bible dit, si tant que cela ne dépendra de toi, c'est-à-dire que nous voulons dans une situation où tu as raison. Mais parce que tu veux que la paix soit là, tu dis d'accord, j'ai tort. Parce que c'est la paix que nous cherchons. Vous voyez? Donc nous sommes appelés à semer la paix partout où nous nous trouvons. Partout où tu te trouves, sème la paix. Parce que tu es le fils de la paix. Dans la béatitude, Matthieu 5, là, heureux ceux qui procurent la paix. Parce que Dieu est Dieu de paix. Dieu lui-même, c'est Dieu de paix. Partout où nous allons passer, c'est semer la paix. Quand il y a division quelque part, tu entends que ces frères ne s'entendent pas, tu dois dire ça ne doit pas être. Parce que quand il reste comme ça, il meurt, c'est l'enfer directement. Il y a des choses que nous savons que quand quelqu'un meurt dedans, c'est l'enfer. Ça là, c'est garanti. C'est-à-dire qu'il y a mésentente, désaccord, machin, la haine, machin. Quand quelqu'un meurt par crise cardiaque, machin, c'est l'enfer. Quand vous savez, donc c'est de tout faire, quand vous savez. De savoir que ces deux-là sont en droite en ligne pour l'enfer. Toi, la troisième personne, fais tout pour éviter au moins ça. Amen. Donc, le Seigneur nous invite à marcher d'une manière sincère, honnête, devant Dieu. Donc, c'est le 4 là qui dit ça. Dans le 5, nous lisons encore un autre passage et vous allez lire ça. Prenez le temps de lire ça. Il dit, qui parle ici, c'est l'apôtre Paul qui dit ici. Devenez mes imitateurs de Dieu, devenez mes imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour toujours. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour Dieu comme une offrande
et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté. Vous voyez ça? L'impudicité, c'est la vie que nous menons, que nous avions menée à tout temps. La Bible dit, à partir du verset 3 là, jusqu'à 5 même, il dit, on ne voit plus d'impudicité, de la cupidité, de la convoitise, qu'on n'entende plus des paroles déshonnêtes. Oh, le témoin gloire devant Dieu. Vous savez, c'est pourquoi ceux qui font les sketchs là, hein? C'est l'enfant. Dieu dit, parce que en tant que créature de Dieu, à l'image de Dieu, tu ne dois pas. C'est pourquoi les esprits ne s'amusent pas. Les esprits ne s'amusent pas. Quand ils te disent, ils vont poursuivre. On s'amuse trop, on dit, on s'amuse pas. Il n'y a pas ça pour enfant de Dieu. Parce que c'est pourquoi Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Parce que là où vous êtes, vos lèvres sont sanctifiées, sont purifiées. Quand vous dites, ça va s'accomplir. C'est pourquoi même dans vos maisons, pour vos enfants, on n'injurie pas. La Bible dit, vous ne devez pas injurer vos enfants. Il faut les corriger, mais pas injurier, parce que c'est une malédiction. Quand vous injuriez, c'est une malédiction. Vous ne devez pas avoir ça. Nous ne devons pas avoir ça. Vous voyez, les choses que les trésors, Dieu nous a donné des choses, si nous contrôlons bien, on ne va pas tomber. Parce qu'il y a des injures que les parents dans l'ignorance font. Mais ça suit. Parce que, vous voyez, le monde des ténèbres, c'est compliqué. Quand c'est un parent qui t'injure, si c'est ton papa, maman qui injurie, les gens disent, ah là, c'est son papa même qui a dit ça, donc c'est son maman. Et il s'accroche à ça. Mais si c'est un autre, ça peut. Mais si c'est le parent, Dieu dit, ça, trop fort. Ça qui est trop fort. Donc, nous vous en supplions, restons dans la connexion avec Dieu et obéissons. Donc, arrivez à la maison, essayez de lire fortement ça, ce procès de 3 jusqu'à 5. Hein? Parce qu'au niveau de 5, il a dit quoi? Sachez-le bien, qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est des choses que nous ne devons pas avoir et que le Seigneur nous aide à vivre dans une vie de sanctification et de pureté. Soyez fortifiés, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Après, on verra ça après que vous allez prier, les confier en bonheur du Seigneur. Grand Dieu, grand roi, éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci pour ce grand jour, Seigneur qui s'est soulevé, Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité, merci pour ta grandeur, merci pour ta suprématie. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, voici tes serviteurs et tes servantes, Seigneur Jésus, qui ont honoré, Seigneur, de leur présence, Seigneur Jésus, pour se faire baptiser. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Au nom de Seigneur, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. N'oublie pas tout le processus, Seigneur. Et il faut essayer d'achever, Seigneur, de prier. La marche continue. La marche continue. Ainsi, Seigneur, je prie que tu les fortifies. Amen. Que tu sois avec eux. Que Amen. Tu les conduis, Seigneur, Amen. Dans ta vérité, dans ton amour, Amen. Dans le respect de ta parole, Amen. Afin que la vie éternelle leur soit accordée. Amen. Tu as dit, je viens bientôt. Seigneur Jésus, nous savons que tu vas venir tout à l'heure. Seigneur. Nous prions, Seigneur, fortifie chacun de Amen. Nous. Sois avec nous. Amen. Permets à ce que, Seigneur, notre marche chrétienne, notre marche de toutes les vies, de tous les jours, puisse glorifier ton nom, honorer ton nom. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur Jésus-Christ, voici le grand travail va commencer. Puisque, Seigneur, l'ennemi sait qu'ils l'ont échappé, Seigneur, il va pouvoir tenter des choses contre eux. C'est pourquoi je prie en ce moment que, Seigneur, ton sang coule, Seigneur Jésus, sur eux. Que ton sang les couvre, Seigneur Jésus. Qu'ils soient invincibles, Seigneur Jésus. Qu'ils soient invulnérables au monde des ténèbres. Seigneur, garde-les en sécurité. Conduis-les maintenant jusqu'à la fin de leur jour. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, le ciel soit pour eux et la gloire reviendra à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié.